d'appui et un tireur d'élite pour faire de la reconnaissance. Voilà comment se constituera notre groupe au combat. Daffy. Pas Daffy, c'est bon. Et on n'est pas Squad France. On n'est pas sur Squad France. C'est juste, les gars, c'est pas un truc multiple. C'est juste pour qu'on structure un peu la chose pour pouvoir jouer en groupe pendant l'événement. Ah, pour pas se faire passer dessus, quoi. Exactement. Tout à fait. Juste le béaba. Je prendrai ça à côté de ton véhicule. Et Cort, voilà, Cort, il évoluera sur nos 200 mètres en fonction du terrain pour nous donner la reconnaissance. Enfin, pour faire de la reconnaissance. Cort, il aime pas les ordres, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'on a vraiment besoin d'un mec qui soit aussi, à part pour nous donner des infos discrètement. Un snipe. Ouais, voilà. Il est pas forcément là pour engager l'ennemi, hein. Au contraire, il est là pour donner endurance. Maintenant. Et pas du trans, hein. On va faire. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? 7 heures plus tard. La formation. C'est tellement ça. Oh merde. Et c'est parti, on y va tous sur N. Sur Squad. Waouh. On peut balancer des. Mais c'est bon, tout était prévu, c'est dans le PowerPoint. Putain, mais maintenant je peux plus appuyer sur N, pourquoi? Parce que t'as pas de casque. C'est tellement moche. C'est pas de casque, ils ont pas de. Bah attends, c'est quoi, je te tue et tu changes de. Pourquoi j'ai pas de. Ok, attends, on attend tout ce correct. J'ai pas de petit truc qu'on donne dans les boîtes gays là. On l'attend, il est juste ici. Si, il faut que tu fasses CTRL G. CTRL V. CTRL G. Ah, pardon. Non! C'est pour ça que j'ai dit contrôle! Red light, ah ouais, d'accord, merci. Faut que j'aille. Non, mais il a acheté un sticker. Oh yeah! CTRL G, c'est tout d'un coup, une lumière de stade de foot apparaît derrière moi. Je tombe. Trop fort. Ah putain, ça y est, ça marche. Vous êtes où? Putain, vous êtes là-bas. Bien. Coming! Ah joli. Il y a le tag Par contre il est super pas discret du coup le tag sur les véhicules militaires. C'est clair. On pourra peut-être essayer de mettre le Red Dog camo. Mais des petits problèmes avec la carte d'impression par contre. En low en basse visibilité si vous l'avez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le logo Red Dog camo mais ce camo là. Le camo Xavier. Ouais, pas con. Puisqu'on sera Red Fort de toute façon. Bon allez, vas-y, on se remet remettez-vous en colonne comme vous voulez les gars. Et arrêtez de toucher à mon véhicule là. Enfin, la partie théorique est bientôt finie. Péter les phares. Putain, je vois tout le monde laguer. Ouais. Moi ça va, hein, je vous vois pas laguer. Vous m'entendez? Ouais. Ah ouais, t'inquiète. Vous m'entendez ou pas? T'as un grippin, y'a ton voisin qui a fait une petite. Au pire, je me mets sur la 4G, je me mets sur la 4G, ça passe, hein, j'ai une bonne courante 4G. Ouais, mais ça va nous faire crash là. Ouais. Ah, mais non, bon, pas maintenant. C'est bon, ça revient. Bah non, mais faudrait quand même que je regarde pour héberger avec une. Enfin, j'ai un peu de débit. On va avancer un petit peu vers un autre de 5 mètres là. Il est où Korax? Il est revenu? Ah, oh, fille! Ouais, Korax est revenu, par contre, Silou est parti. Silou, t'es où? Y aller. Ouais, il doit partir. Ah, tu dois y aller? Ah, c'est pas grave, France, tu prends la place de Silou du coup. Ah, bah non, et j'ai perdu mon véhicule du coup. Prends la place de France dans le véhicule. Je t'ai remis le jour ou pas? Ouais, bah non, reste en nuit parce qu'on s'en fout. On a pas tué Korax pour rien. Il y a les NVG maintenant. Donc N pour les NVG d'ailleurs, Korax. Ça j'ai fait. Ok, ça marche. Donc on fonctionnera comment pour la suite? Attends, éteins le moteur. Oh putain. Je vois plus rien. Si tu... Ok. On fonctionnera comment? On va fonctionner avec ces deux trinômes là. Non. Chacun va avoir. Stop. Là c'est obligatoire, vous avez pas le droit. Allez, Vas-y, raconte-nous une histoire. Désolé. Je mets de la lumière. Les deux trinômes. Alors, chaque trinôme aura un indicatif. Un indicatif, c'est une sorte de pseudo, quoi. Ouais, en enfin, gros, ça. Pour c'est de plus en plus de la mille cible. Commandement, je vais nommer le trinôme. Griffon d'or. Le trinôme de Titouné, je vais le nommer Alpha. Mm-hmm. Et le trinôme de Vitia, je vais le nommer Bravo. Comme ça, en gros, quand je dis alpha, c'est vous, c'est le trinôme. Je me fais pas. Mais hein, tu peux pas le faire in game ça directement? Les squads, créer des sous-groupes. Non, mais en fait, tu dois aller dans les petits groupes qui est à côté normalement. Parce que là, c'est à l'intérieur du grand groupe qui est
dans l'armée française de 13 personnes, mais là de 10. Et à l'intérieur, tu divises. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que dans Arma, tu peux subdiviser le groupe? Normalement, oui. Avec des équipes. Mais si, étant donné qu'on est en 3-6, c'est qu'il est. Je crois que tu peux attribuer des équipes de couleurs. Ouais, c'est de la couleur en fait. Ouais. Bon, ok, ça je verrai ça. Ouais, ça se travaille. Je verrai ça plus tard. Donc, bref, pour là, pour. Attends, reviens. Oula, Lucas, il en a marre. Lucas, il a non, plus. Non, je voulais faire une connerie. Ça fait que commencer, Lucas. Donc, voilà, en fait, ça va être tout simplement pour faciliter. On va nommer le trinôme de Titoun Alpha et le trinôme de Vitia Bravo. Bon, ça pourra changer, mais bon, bref, c'est pour vous donner une base pour ce training. Donc voilà. Les indicateurs viennent de poser une mine. Non putain, poser une bombe. Voilà. Non. C'est là. C'est les détonateurs. Hein. C'est pas le point. Okay. Double coup de genou. Ah ouais, je le vois sur mon mine détecteur. Et j'ai un mine détecteur. Ouais, du coup, t'es le seul à pouvoir le désamorcer. On se met tous autour pour regarder ce que ça fait. Non, d'abord, faut qu'il j'ai une croix au milieu de l'écran, c'est quoi? Je fais entrer. C'est bon, il l'a eu, je crois, non? Je viens de l'activer 40 secondes, les gars. J'ai une croix au milieu de l'écran, comment je fais? Clique dessus, espace, c'est pour l'enlever. C'est bon. Ah, okay. Non. T'as fait tout sauter. Comment je suis trop balèze, c'est bon. Ok, allez. Non. Arrêtez vos conneries, les gars, c'est bon. On va pas. Elle est activée là. Ouais, elle est activée. Mauvais. Bah, tu vas crever à côté, tiens. Okay. C'est bon. Remettez-vous en formation là, Trino. Alpha Bravo. Rapidement. Voilà. Allez, on va juste passer sur le. Sur les modes de déplacement. Moi, je vais pas me faire chier la bite, hein. Ça va être. Les déplacements. On n'en utilisait que deux. Donc, pour mes ordres, ça sera simple. Ça sera, si on doit aller d'un point A à un point B, je dirais pour un déplacement en colonne. Alors, déjà, est-ce que tout le monde sait faire la différence? Putain, c'est pas possible, bordel. Non, le phone, il est à côté. C'est honteux. Ah bordel, on va pas y arriver. C'est faux. Ah oui, je fais pas une. Il bon, croit que ça va reprendre la reprise de la progression toujours à l'ouest, là. Il est 23h même pas, tranquille. Qu'est-ce qui branle, Curupt? Sur quoi ça tire? Eh ben, lapin. Mais disez-le, ça fait peur sinon. Disez-le. Ok, quand vous arrivez en alpha en haute crête, ouais. Là, vous avez vu sur le contrebas, vous arrêtez en ligne. Whitley, c'est toi qui regarde le stream? Je suis vers le muret. C'est toi qui regarde le stream? On va s'arrêter là-bas. Hein. Non, ouais, non, je regarde rien. Bah. On a un spectateur là. On va tous se coller le muret. Alors, c'était pas trop collé. Hein. Bravo. Ah, prenez 50 mètres de long sur le muret. Il reste à groupe. Bien. Non, mais ça revient vite en fait. Donc, alpha, quand t'es bon, tu me dis. Stop. Allez, c'est pas mal. Ok, vas-y, bravo, vous me suivez. Donc là... Est-ce qu'on prend les secteurs, genre maintenant qu'on est à la reine? Non, les secteurs de surveillance... si... Alors dans la... À l'arrière, dans quoi. Attends, on fait une petite parenthèse. Normalement, au combat, genre, votre chef d'équipe, il va venir vous voir, il va vous... Donc ton secteur de surveillance, c'est de là à là. Toi, ton secteur de surveillance, c'est de là à là. Là, on va pas appliquer ça. Donc, globalement... Si vous êtes en formation sur une ligne, comme vous êtes là, le mec tout à droite, il prend un secteur, il prend le secteur sur sa droite et devant, quoi. Enfin, soyez un peu intelligent, quoi. Le mec devant, il regarde devant lui, le mec qui est le plus à gauche de la ligne, il regarde à gauche, quoi. Soyez, voilà, quoi, soyez pas... Là, on va simuler quelque chose. On va simuler un engagement. Donc là, regardez tous votre chef de groupe. Regardez tout, c'est juste dans le cadre de l'exercice. Mmh. Et regardez ce que pointe mon laser maintenant. Ouais, moi je vois pas du tout. On va simuler que là-bas, là où pointe mon laser, il y a de l'ennemi. Ok, il y a un trinôme ennemi. On simule. Donc là-bas, là où je tire, là-bas, il y a un trinôme. Mmh. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer cette position. On va engager le feu,
et le but c'est de détruire l'ennemi. Pour ça, ça fonctionne de... Il n'y a pas 36 000 procédés. Il y a un trinôme qui va appuyer, enfin qui va fixer l'ennemi, et un second trinôme qui va flanquer. Mmh. Pendant, en fait, si vous voulez, l'ennemi va être fixé, il va devoir baisser la tête, il va devoir se cacher. Et pendant ce temps-là, on aura Bravo qui essaiera de flanquer pour neutraliser l'ennemi. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Reçu. Le trinôme qui appuie, il faut que vous essayiez de gérer vos munitions. Faut pas que vous tiriez à 3 en même temps, que les 3 en même temps ils rechargent. Faut toujours essayer de mettre un feu constant, c'est-à-dire que il y en a un qui tire non-stop, ou un ou deux, et quand il y a un rechargement qui est fait, faut que le flux de tir il continue quoi. Donc ça c'est entre vous, essayez de jauger la chose. Et globalement, faut que vous appuyez le flanc. Donc faut pas que l'ennemi puisse voir qu'on est en train de le flanquer. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire c'est que... Attends, on tire pas tout de suite. On va dire que Kurupt, t'as repéré l'ennemi. Donc tu vas me chier un petit compte rendu vite fait sur ce qui... Ok, vas-y. On va dire qu'il y a un ennemi là-bas à 200 mètres. Donc qu'est-ce que tu dis quoi ? Tango à l'ouest, milieu de colline. Ouais, non, oublie le tango. Pourquoi ? C'est pareil, on m'a appris comme ça. Ouais, bon, c'est juste pour le plus facile possible, tu vois ce que je veux dire. Après, si tu veux dire Tango, on comprendra. Nicolas Hypervec qui vient de se connecter. Allez sur votre map, et faites bannez-le. Ah, c'est toi ? Ouais. Bannez-le quand même. Donc vas-y, Kurup, tu nous chies un petit compte rendu vite fait sur ce que tu vois. Ouais, je vois 3 ennemis en milieu de colline plein ouest. Ok, bon, très juste la distance, mais c'est l'idée. À 200 mètres. Ouais, voilà. Mais c'est ça. C'est quelque chose. En fait, faut juste transmettre ce que vous voyez, en fait. Faut pas vous tordre le cerveau. Parce que je sais que dans l'armée. La distance, c'est difficile. À chier un compte rendu ultra propre. Mais dans la vérité, c'est juste. Faut juste transmettre ce que vous voyez, en fait. Mmh. Ouais, je sais pas, je pensais qu'il fallait réutiliser ce qu'on avait pris en AM1, quoi. Non, ça va. De toute manière, le VM1 n'a pas cours au sein de la Red Dog, donc... Ouais, c'est ça. Tu chies, ton compte rendu, tu transmets juste ce que tu vois. Voilà, ce qui te paraît louche. Ce qui... Oh bah ça me va, moi. Ouais, ok, ouais, on fait au plus simple. Hmm. Donc voilà. Moi je crois qu'il n'y en a pas que 3 en face. They're up to 5. Ah, effectivement. Oh putain, oh, okay. Ça fait peur. C'est une secte. Elles sont même pas armées, putain. C'est un crime de guerre, ça, non? Tu peux pas supprimer les civils et mettre des vrais mecs. Ah, on va se faire enfiler. Non, parce que les vrais ils vont nous tirer dessus, ils s'en battront les comptes de ton. À cette distance, ils nous tireront dessus. Ouais, mais mets les teubés à la rigueur. Ouais, ouais. Non, mais sinon, mets les civils, ils vous voient pas. Ils sont armés là, c'est bon. Ok, t'en as pas mis beaucoup là? Ok, super. Vas-y, bravo, restez derrière moi. Ah. Bravo, revenez derrière moi. Alpha, vous prenez votre position d'appui. Ils nous ont vu là. Donc quand vous recevez l'ordre d'appuyer ou de fixer l'ennemi, la première des choses c'est vous vous cachez, enfin vous mettez à couvert avant de tirer. Vous n'allez pas appuyer un autre trinôme en étant debout dans un champ quoi. Vous mettez au minima accroupi. Et puis ça vous permettra d'avoir une vision plus stable possible. Véhicule en approche. Ouais, c'est Corte. C'est notre appui un peu plus balèze, mais pour l'instant on s'en sert pas. On fait que de l'infanterie. Au niveau des touches, C, si vous êtes contre un obstacle, si vous êtes contre un caillou et que vous appuyez sur C, ça va vous accouder. Obstacle pour une meilleure stabilité de tir. Si vous avez un bipied que vous double C, ça va vous déplier votre bipied. Oh. Contact unité spéciale 300 mètres ouest. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que Alpha, vous allez appuyer Bravo, pendant que Bravo flanque par le nord. La fille. Et il le fait automatiquement, j'ai l'impression. Là, les seuls qui me répondent à la rigueur, c'est les chefs d'équipe. Non, mais c'est bon, c'est traité. Oh putain. Voilà. Sauf que t'as désobéi, parce que tu ne fais pas partie du groupe Alpha. Attendez, c'est le feu. Ils sont tous morts là. Overkill. Ah, bah ouais. Même pas marrant quoi. Non, je les ai remis. Ok, ça marche. Ok. Donc on applique le bordel. Ok. Alpha en appui, feu, bravo, flanqué par le nord, c'est parti. Je reste avec Alpha. Donc vous serez que 3. Allez bravo, vous serez 3. Par contre je crois qu'on flanque par le sud là, mais c'est pas grave. Ah, j'ai dit flanqué par le nord.
lui qui a. Moi je suis le chef de groupe. Tu faut suivre. Dans ce cas-là, vous suivez le chef de groupe. Non mais tu vois où le nord, sud et haut sur le jeu. K. Appuie sur K, t'as la boussole. Ah. Évitez de passer devant. Putain de merde. Putain. Heureusement je suis pas mon chef de groupe. Dès qu'il meurt là, t'en remets d'autres. Ok. Ok. Le restant je le laisse ou pas. Dès qu'il est tu. J'ai arrêté d'être en vue très troisième personne par contre. On flanque. On avance. Vas-y, mets les spec paps. Bah, si tu veux, je mets les super chinois de la mort. Hein. Oui. Vas-y, ah non, ils sont avec lui, super chinois. Super chinois. Ouais. Ah oui, c'est vrai, merde. Mets des green forts. Bah, attends, je vais mettre les super anglais du coup. Ouais. Donc là, il y a personne. Je suis d'accord, quand il y a personne, vous c'est difficile comme vous faites. Mais si on doit faire un assaut contre, par exemple, je sais pas moi, un village, et qu'en face, c'est des humains, enfin, c'est des joueurs, c'est des joueurs simplement. Faudra toujours appuyer, même si vous les voyez pas, vous tirez sur, sur là où ils pourraient possiblement être. FSP, il y a un ami qui pue avec. C'est faux. Ouais, c'est vrai, ils sont là. En position dans 5 secondes. Ouais, vas-y, on appuie. Ouais, on appuie. C'est le jeu. On va changer là. Équipe bravo en position. Chargeur, Corax. Ouais, bravo, vous avancez sur l'ennemi. Chargeur, Corax. Objectif détruire. Chargeur, Titan. Allez, on y va les gars. On tire. On ouvre le feu, chef. Négatif, vous attendez. Oh merde, mais je les ai tués, moi. Non, mais t'inquiète, il est fait hip-hop. Ok, il avance. Bravo en contact. Chargeur, Kurop. Une MG, ce serait sympa là. Ouais, ce serait bien, mais bon, on n'a pas fait les rôles adéquats. Pardon. Que j'avais vraiment oublié. Avec une MG, t'es TT, vas-y, remets-en deux. Okay. Traité. Tant, Corax. Ouais, t'inquiète. Ok. Ah, bravo, faut que vous alliez au contact. Hein. Faut que vous alliez au niveau des cailloux où ils sont. Hein. Allez, on les cartes. On avance en tirant. J'ai réussi à le toucher. Remets-en, Wiki. Ouais. Ouais, il y en a encore plein. Tant qu'ils sont pas arrivés, t'en remets. Ouais. Allez, on marche. Les gars, on tire sur. On n'a pas munitions illimitées. Hein. On avance. On tape droit devant nous. Moi, je ferais toi une petite grenade au sommet là. Chargeur. Mets-toi en ligne avec nous. Contact. Chargeur, tout ça. Chargeur. Ok, équipe Alpha, on a besoin d'appui feu, ils sont vraiment sur nous là. Ouais. On intensifie le feu, toujours deux qui tirent. Chargeur, Corax. Remets un dernier, hein. Ok, c'est bon. France et Lucas, on marche. Alors, c'est comment déjà? Ok, arrête d'en mettre, c'est bon. Le contrôle est fait. Chargeur, Corax. Ok, c'est le feu, Alpha, c'est le feu. Traité, plus personne. C'est bon, tout est. Non, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Vous avez vu un peu la dimension? Et là encore, il me tire pas dessus. Par contre les gars, quand on arrive sur vraiment en close des adversaires, on marche. Parce que on va être plus précis, on va pouvoir traiter efficacement sans louper un mec qui est par terre dans un coin comme un connard. Si c'est cru dans CS et pas dans la vraie vie. Lol. C'était pas mal. Vas-y, bravo, revenez sur nous. On va juste tourner les rôles, on va faire la même chose, mais on va juste... C'est pas vrai, j'ai pas tiré sur bravo. Vous êtes à combien en consommation munitions là, Alpha? J'ai plus 4 chargeurs. 5 chargeurs. Dont un à moitié. Bon, ça suffira. Enfin, les rapports mun. Je crois qu'il y a moyen de remettre des boîtes de munitions, mais il faut que je sache comment on fait. Ouais, sinon, échappe peut réapparaitre, mais bon, on va pas se faire chier. 5 chargeurs. J'ai mis le respawn juste de derrière. Donc, tout à l'heure, près du. Moi j'ai un TP. À l'arrière du logis. Ce qu'on pourrait utiliser par contre comme ça. L'arrière du transport, quand tu t'approches, il y a moyen de recharger, je pense. Molette basse, je sais pas si vous avez, mais certains outils, les chargeurs traçants. Oui, explosif charge. Ouais, dans le véhicule, il y avait ce qu'il fallait. Ouais, il y a des munitions, mais pas pour mon arme. C'est bon. Ouais, il n'y en a pas, mais. Je suis essoufflé. On est dans l'avantage des véhicules. Donc, molette. On a un mort ? Ouais, Vitia s'est suicidé pour avoir des munitions, apparemment. D'accord.
Hop, et aussi parce que j'avais la flemme de marcher. Il a l'air pas mal de tirer les cordes, ça fait laguer. Ouais, ouais, ça fait laguer. On a vu que c'est sur la quoi Willy en plus, c'est la merde. Mais t'inquiète, on va faire une petite mise en avec un peu plus d'ennemis et puis. Oh, fais on fait une escape. Et puis on pourra faire un bordel. Ouais, mais j'aurais bien aimé utiliser le véhicule. Et vu que Willy peut mettre des entités partout, ça peut être pas mal. On peut faire un scénario vite fait. Je vous ai mis une caisse, je sais pas si vous l'avez vu. Si, impeccable. Ouais, nice. C'était bien chiant de courir. Elle est où la caisse? Ah oui, exact. Pas mal, on se recharge. Je faisais avec des Katibas, de toute façon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bravo, bientôt en place. Sur la droite, Wolf. Hein. C'est pas une caisse que t'as mis, je pense, Whitney. Bah, c'est si, si, ça marche. Comment on fait pour se. Ah non, mais. Quand t'arrives dessus, t'as l'icône avec l'arme et t'appuies sur espace. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionnait. Je vais pisser avant. Attends, je vais faire un ménage dedans. Réarmer. Attends, je vais faire un ménage dedans, je vais laisser que les. Que j'ai laissé ah que oui, les oui, c'est bon, ça réarmer. Faut faire réarmer en fait avec la. C'est quoi, satchel et charge explosive? Pas de touche. C'est. Ouais, c'est pas bien. Bon, les gars, on va faire la même chose, mais cette fois, c'est Bravo qui va se mettre en appui. Et Alpha qui va flanquer. Donc, Bravo, mets tes mecs en appui. Non. Et Alpha. Un de chaque d'accord, côté. C'était donc ça. Oui. Un de chaque côté de moi, on prend en visu les. D'ici, vaut que d'elle. De 15 mètres les uns les autres. Ouais, Willy, je vais mettre tu là. Les, tu commences à mettre à placer ouais, deux secondes, ouais, je fais ça. Deux. Ouais, ça marche. Laisse prendre 10, 15 mètres, hein, pas 30. Là, c'est, bon. Ouais, c'est bon, je vous ai dit, je savais pas comment on faisait. Pour calculer. Ici, par exemple, Ouais, mais là, d'ici, je vois rien, moi, avec les arbres. Là, juste là. Ah, si, c'est toujours en face. Tu vois pas avec les arbres? Si, ouais. Juste là. Ouais, c'est chaud. C'est le terrain qui commande. Ouais, ouais, bah mets-toi. Puis je vais me mettre là. Je sais plus où je les avais mis. Non, je mais. Crois Regarde, Kana, si on se met là, on a tous une position sans arbre devant. Ah putain, j'ai fait C pour mettre le mi-pied et je vois que dalle. C'est pas mon problème, moi. Moi j'ai juste dit, moi je veux que. En gros, faut que vous soyez à couvert et que vous appuyez. Enfin, et que vous puissiez voir l'ennemi, c'est tout. C'est bon, j'ai trouvé les gars, bravo ici. On va se mettre au niveau des rochers. Les rochers. Alpha, mettez-vous derrière moi. Façon... Allez, quand tu te fous en bipied. En bipied, on voit pas bien, ça part en couille. Mais c'est pas grave. Éteignez vos lasers. Outre. Éteignez vos lasers. Alpha sur laser. Laser mis. Ouais, c'est bon, tes mecs qui sont avec toi. Il hein. Y a Nicolas, je sais pas trop ce qu'il fait, mais. C'est Goat. C'est bon. Faire un combat de sabre. Ok. Donc, ils nous ont vu. Est-ce que Bravo est prêt? Bravo est prêt. Ouais. Ok, Alpha, vous allez flanquer la position ennemie. Mais en passant cette fois-ci par le sud. Le sud, bien pris. Ouais. Ok. Ok, Alpha en mouvement. On l'a vu. Bravo, on appuie, on tire. Allez. Peu. Deux balles par deux. Nous on court pour l'instant pas fait. Oh merde, je suis en évidemment de... essayer d'évoluer, essayer de flanquer en couvert. Si t'as moyen de m'aider. Non c'est bon. Deux traités. Non c'est bon, je m'étais bloqué. Un traité. Il riposte. Putain de bot. Saloperie. Oh je l'ai eu putain. On court le groupe de. Non ramassons Ricky. Ah ouais, Lucas, chargeur. On va se déporter 100 mètres à gauche, là, passer un peu plus dans le tas. T'as vu, c'est des fusils, des. Merde. Non, faut que je laisse passer devant aujourd'hui. T'as des traçantes à la fin du chargeur. Tu peux courir, mais c'est normal. Ouais, c'est... Tu peux changer ouais, de. Ouais. Ah, courez, les gars, courez. Ouais, mais il faut plus courir. Oh merde, arrête, parce que c'est lourd. T'as un sac, je sais pas combien de kilos sur le dos. Non, mais c'est ça qui est dans, c'est. Voilà, les choses. Et ensuite, à l'œil. Oh le headshot à la traçante. Ouais. Vous pouvez, si vous voulez désigner de la cible, vous pouvez avec molette basse charger vos traçantes. Hein. Non moi avec molette basse j'ai satchel ou charge. C'est parce que t'as bourrin. Pas de ça tire pas beaucoup. Ah voilà. Il meurt sur place ou quoi? Ouais qu'il bah tire non, pas. Hein. Ça tire pas en fait. Ça, donc. Ils ont pas de NVG peut-être? Si ils en ont. Oh le headshot là. Je vais mettre des snipers. Je vais continuer les arbres.
Ouais, baisse la tête aussi. Continue, hein. Bravo. Quand on arrive sur laser, là, quand on arrive sur laser, on reprend ça, on se met en marche et on passe sur. On arrêtera la course. Ah, mais ça remonte un peu là, putain, il en a pas plus. Vous en avez tout dans les munitions là? 4 chargeurs encore, du bel. Ok, on a posé la question. 3 chargeurs traçantes. Bon, j'allais jouer, hein. N'hésitez pas à tirer avec de la traçante, hein. Le but c'est qu'ils nous fixent nous pendant que on s'est fait. Mais après ils sont pas très. Mais ils ripostent pas fort. Ouais, ah, y'en a un qui a tiré. Ah, oui, c'est bizarre. Crevure. Et quand ils vont se rapprocher là du flanc. Qui regroupant sur Titoun et Alpha. Double C, on va marcher jusqu'au contact. Tout le monde en fout, chargeur plein. J'en mets une dernière escouade vite fait. Attends, je qui tape les gens. Il y en a un. Dès qu'on est sur crête, on grenade et on assaut. On marche en cours. C'est presque décevant de pas entendre quand tu tapes. Touk. Ok, on assaut. Joue Alpha, se rapprocher. Ah ouais. Qu'ils atteignent le caillou. Attention, Alpha en visu. Ouais. Ah, ça défouraille sec là. Chef, j'ai un lance-grenade si tu veux. On balance. Non, c'est plus mon lance-grenade. C'est le feu. C'est le feu. Ce serait tes... S'il y a des fuyards, vous les butez. Hein. De toute façon, on est raid fort, on est des crevures. Normalement, on fait pas de prisonniers nous. Convention de Genève, tout ça. Je boite. Sur toi. Hein. On fait un périmètre autour des cadavres. Il y a un mec qui se balade là sur la montagne, vous les butez. Ok, lance-grenade. C'est parti. Je vois Nicolai. Allez, on rate. Ok, c'est juste pour vous donner une idée de appuyer et flanquer en fait. C'est juste pour vous donner une idée. Par exemple, la mission en quelque sorte appuyer là, ça peut se faire au niveau du groupe quoi. Ça se trouve, on sera tous en train d'appuyer pendant qu'il y aura un autre groupe d'infanterie qui sera en train de flanquer. Ça peut se faire aussi. C'est juste pour vous donner une idée. La foudre. Bah vas-y, hein, Titounet, reviens. On arrive. On vide le cheveu avant, puis on arrive. On va monter dans le merdier. Ouais, tire trop bas avec mon lance-grenade. Je peux pas les avoir d'ici. Moi j'ai tiré trop loin, je crois. C'est quoi ça? Rechargez-vous à la KSM. Bordel. Wiki, tu peux me mettre le jour par hasard ou pas? Ouais, je te fais ça. Poum. Oh non, t'es belle celle-là. On a allumé les phares. Oh, t'es magnifique. J'ai vu tomber les travaux, je suis passé un peu court, c'est exactement là où je suis moi. C'est la punition du dieu. D'accord. Merde, trop court. 10 jours plus. 10 jours. Bon, on fait quoi là? Ça te brûle les yeux. Active l'NG. Déjà, oui. On est bien là. Ok. Trop fort le logo Red Dog. Ouais, il est franchement joli. Par contre, allez, il y a trop de visibilité. Bravo, devant moi. On se regarde un petit peu. Oh putain de merde. Je sais pas où t'es. Tu reviendras plus vite. Okay. C'est quoi pour changer de viseur? Le slash en haut de le. Quand tu vises, tu contrôles. Même pas. Contrôle T vises, tu clic droit, tu vois. Ah oui. Non, moi je parlais de. En fait, sur le lance-grenade, t'as un. T'as un aimpoint au-dessus. Au-dessus de la lunette. C'est ça, c'est bien slash, oui, ok, d'accord. C'est ça que tu voulais dire, ok. Là, je m'en souvenais. Il est bien, ça, ce truc-là. Tu peux couper le moteur, Kurt? Ouais, c'est propre. Ouais, loupé. Je prépare juste un petit peu la mission. C'est un truc que tu me demandes. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu vois, Weekly, au sud de Oreo Castro, là, la ville? Vitia. T'as un parc éolien, là, je l'entoure. Là, ouais, je le vois. Tu m'organises un petit truc avec de l'infanterie. De l'infanterie, et puis c'est des véhicules mais légers, tu m'aimeras. Comme une bite sur la carte. Est-ce qu'on a de la thé, les gars, ou pas par hasard? Ah oui, très léger, parce que moi j'ai plus de munitions. Vous avez de la thé ou pas, les gars?
Ah, Vitia, elle en a. J'ai un AT, ouais. Il y a des AT dans le véhicule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser comme sur l'été dans un putain de groupe de combat. Donc on va titouner et. Ah, mais c'est à direction, d'accord. Moi j'étais en train de me dire. Attendez. Mais pourquoi est-ce que ça va du côté là où je. Titouner et Vitia, vous chargez un de vos gars de prendre un AT dans chacune de vos équipes. Ok, on peut pas prendre AT nous-mêmes. D'accord, j'ai compris. C'est quoi l'AT? Moi je prends un AT. Vas-y, moi je veux que dans chacun des trios il y ait un AT. Quelqu'un me tue. Tu veux t'es athée là? Non, j'aime pas parce que. Poulou le bordel! Oh pardon. Par contre, pas trop de bruit parce qu'ils vont l'entendre. Moi je peux pas. Lucas, t'es juste fusillé peut-être? Ouais, je vais. Allez. Bah, je suis grenadier en fait. Ouais, fais échappe, rapat. Enfin, si tu veux, je te tue. Mais... Ok. Donc dans vos équipes, je veux un grenadier, un MG, un AT. Voilà, c'est tout. Un grenadier, un MG, un AT. Non, je suis dans vos équipes. Allez, on va faire simple, on va faire basique. Toi aussi, attends, c'est qui ça? Rejoins la team à Corte à la limite, Brock. Il est en... Comment ça s'appelle? Ah, Brock, il a pas de rejoindre le groupe. Fais U, Brock, et rejoins le groupe. Enfin, fais rejoindre Alpha 36. Ok, on a deux AT. Je suis. Deux MG. Enfin, il y a une MG et un. Du coup, attends, Curup AT. Korak, c'était quoi là? Je suis de base. Il y a pas de MG là. Ça existe pas les MG dans le jeu? Si, avec. J'ai vu que c'est qu'il avait tout à l'heure. Si, c'est moi, mais la classe elle a disparu. Comment ça? Bah y'a plus la classe MG. Attends, il fait trop chiquer. Ouais, je confirme, il y a plus de MG. Merde. Comment attendez, on je vais la remettre. Je vais la remettre. Éjection. Fusil auto. Voilà, c'est ça. Moi je fais pour descendre du véhicule, je suis mon tête dans pas. Molette, éjection. Voilà, c'est fait. Fais W. Tu fais VV. Enfin pas W, la touche. Tu tapes deux fois sur V. Ah, voilà, merci. Éjection. Et C'est DV. Du coup, mettez-vous devant moi là, faites-moi un recap de ce que vous êtes. Okay. Éjection, si tu sors du véhicule avec le moteur allumé, sortir, ça éteint le moteur. Wow. Hop, allez, groupe bravo derrière moi. Frondi est perdu. Bah ouais, ils vous ressemblez tous, putain d'Iranien. Je suis le mec au garde à vous. Derrière le mec qui est en train d'enjamber là. Ok. Tu vois le mec au garde à vous comme un. Ouais, je suis derrière toi. Voilà. Ok, nickel. Il est où Ok, correct, c'est bon, curve, c'est bon. Ok, donc là vous êtes comment dans vos trucs là? Une MG. MG. Ah merde, Goat, bah tu seras avec Kort du coup. On a pas d'MG là. Avec Kort dans le véhicule, vous faites chauffeur, tiens. Passe MG, Croix. Tue-moi. Putain, vous faites chier. Non, t'appuies sur échappe et tu fais respawn. Ou headshot. MG, les gars, je vous explique. On va attaquer une position. Je le dépouille. On va attaquer une position et. Je dépouille, on fait ça après. Okay. Pas mal d'infanterie. Vraiment, c'est chironnière là. Et on évoluera sur un site. On s'est pas entraîné encore. Donc ça vient un peu comme si c'était une condition réelle finalement. Cette fois-ci par contre on aura droit à l'appui du véhicule. Véhicule qui n'a plus de munitions. T'en as plus ou t'en as peu? On descend encore. Sors du véhicule, je vais te remettre des... Oh mais ça suffit parce qu'après tu vas faire laguer le serveur avec tes grenades. Ah bon bah c'est bon. J'en rentre dedans alors. Allez tout le monde au garde à vous là, que ça soit joli. Que ça soit joli. Attends mais il nous manque encore un pélo. Wow. Ouais, correct, c'est là. Ah, on peut pas circuler entre les formations, c'est pas bien. Entre les rangs, là. C'est pas bien. Là. Regardez-nous, on a bien de l'espace. Bravo, plus la bite. Non, mais vous êtes des suceurs aussi. C'est bravo, plus la bite. Vous faites que parler, mais vous faites rien. Goat. Nous, au moins, on est en ligne droite et pas en courbe, là, dégueulasse. Avec un cadavre en plus, c'est pas propre ça. Ça veut dire que nous on a été efficace. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon pour le véhicule ou? Non, pour le véhicule. Tu viens de me déclarer la guerre. Non, le goût, tu passes tireur du véhicule. Je suis désolé, mais vous, il y a deux cadavres, alors bon. Bon, écoute, ouais, bravo, bravo, équipe bravo, si vous voyez l'équipe alpha dans votre ligne de feu, n'hésitez pas à tirer. J'ai des grenades, ça se verra même pas. Ça s'entendra surtout pas. Ok, là, c'est bon, vous êtes ras au niveau de vos putains de kits.
Ouais. Ok, pas moi, ça. À l'arrière du véhicule. À l'arrière du véhicule, il y a une porte, vous montez dedans. Il y a assez de place. Une porte, putain. C'est bien fait. Hein. Alors, vite, tiens, je vais te dire un truc. Soit on s'arrête là, soit ça part en World War Free. Corax. En guerre mondiale libre. Oui. Tu aurais pas pris le contrôle de la tourelle par hasard? Si. Monte à l'arrière du véhicule. Oui, mais comment je... Mais j'ai appuyé sur la porte, moi. Ah, voilà. Non mais... C'est alors, une icône de siège. Mais non, je suis encore dans le véhicule. Ah non. C'est bon, c'est bon. Quand tu regardes la porte arrière, quand tu vois le logo avec un siège dedans. Ah, exact. En fait, mon clic molette, c'est mort. C'est pour ça, je pète un câble. Gold, toi tu prends la tourelle, hein, mais d'accord. Tout ce... Ah ouais, faut Vitia, il vire la tourelle aussi. Ah ouais, vous avez même le logo. Mais Vitia, je sais que ça doit sentir le chacal là-dedans. C'est faux. Ouais. C'est tout serré. Non, ça sent bien. Qu'il est dans ta tourelle. C'est faux, tu mens. Je me mets en vue première personne, je regarde derrière moi et qu'est-ce que je vois? Tu peux enlever ta main de ma cuisse, s'il te plaît, merci. Et restez chage à l'arrière. Je suis le seul à être tout ça, je vais me frotter les bras. C'est qui a posé la main sur la cuisse? Je sais pas qui est là. Kana, tu montes ou pas? Ouais, mais j'attends que tu montes, chérie. Kana, je crois que je te tripote les couilles. Gote, il prend encore la gote. On va partir sans gote. Voilà. Allez, on peut plutôt laisser dans cette boîte. Ouais, t'as vu, c'est vraiment pas, y a pas beaucoup d'espace. Hein. Ok, Cort, on va. Comment je peux mettre un marqueur? Pourquoi j'ai pas, pas l'écusson Red Dog, moi? Un écusson Red Dog. Y'a comme une mine sur la route. Y'a pas de mine. C'est dans ta tête la mine. Sinon, c'est simple, on part au sud et tu vas nous déposer à peu près au niveau du. Bon, je suis pas dans le jeu de la session. Un rond là. Oula! Oh putain de merde! Tu nous déposes au niveau du rond. Tu vois, même lui il a dit pour moi j'ai pas dans le véhicule. Un putain de rond géant. Est-ce qu'on peut boire dans le véhicule par contre? Nagi. Wiki, c'est prêt ou pas d'ailleurs? Je sais pas. Ouais, c'est prêt. Si vous êtes pas au courant, vous savez pas en fait. Hop là. Tu avais supprimé ton rond comme un autiste. On va sortir du véhicule par là et on continuera la progression à pied. Tu nous mets rien entre. Tu fais pas la pute. Non, il y a que des trucs. Je te les mets. Enfin, session de colline. Ce petit bruit de bouchon là. Je sais pas, mais après c'est toi qui gères, la fin le dit. Tu ce que tu veux, mais je veux juste call l'ennemi. Ah, je sais ce que je veux, ok. Mais après, bon, en mesure de. Oui. Dévez pas en route, les gars, vous allez prendre tâche. Ah, tu t'arrêtes là, Corse. Halt du véhicule. Voilà. Par contre, je garantis pas la santé du véhicule. Hein. Ok. C'est sur la gauche. On dévait. Ouais, on dévait. Chacun sur son dos avec son chef d'équipe. Ah, c'est pas lui. Lui, il pue les défaites, tu vois. Cort, tu stand by, t'attends qu'on passe devant. Et tu suis derrière environ 200 mètres. Alpha, on débute la progression. En colonne, en lisière droite de la route. On marche sur la lisière droite de la route, là. Curup, t'es correct, passé devant. Manique. Allez, go. Allez, c'est parti. Putain, il est fort, le salaud. Ok, bah putain. Ta santé, Franz. Merci. Ok. Petit cadeau de mon manager. À la fin du muret là, on voit que le muret continue. On va jusqu'au bout du muret et après on commence à monter sur la colline là, juste en face de nous. On va au sol. Ah, attention, halt. Qu'est-ce qui se passe là? Il est au bout de la route. Il arrive sur nous. Ah ouais, merde. Ok, sortez la tête peut-être. AT alpha. AT. Sur la route, il va arriver. À ce côté droit du muret, les gars. Merde, et y'a un blast derrière le lance-roquette dans celui-là aussi. Non, y'en a pas sur Arma. Ah, y'en a pas. J'ai eu comme une peur. Battez la formation, fait demi-tour. Vous, mais juste planquez-vous quoi. T'as un visu corte ou pas là? Fait demi-tour. Ok. Ok, reprise de la progression en colonne, mais on monte un peu là, on monte sur la colline pour choper un visu. On monte un peu au sud là, sud-sud-ouest. On est pas un peu beaucoup paqué quand il même arrive. Si, complètement. Il arrive. Ok, halt. Halt. C'est blindé de toute façon ça, non? Ok, je vois.
plus. Stop, halte fou. Non, il a pas été détruit, je crois. Il est sud-est. Merde. Il était sur la route là. Il a été détruit ou pas? Vous avez visu sur la colline? Il fait la gueule, mais je sais pas si. Elle est en bas. Ouais, il est bon. Ouais, la tour elle est cassée. Okay. Attention, toujours vivant. Là. Quoi? T'es en train de le traiter là? Ça a dev. Véhicule traité, ça a dev. Ça a dev. Ok. Maintenez la pause sur votre rocher là, Alpha. Maintenez la pause et regardez l'objectif. Bravo, vous passez sur la gauche de la route avec moi. La toile est cassée, on peut plus utiliser. Ok, bravo, vous avez progressé en ligne là. Progressez en ligne et allez jusqu'au flanquer le véhicule là, allez voir ce qu'il y a. Alpha, avancez un peu pour prêt à appuyer là. Choper le visu sur ce qui se passe. Grenade. Allez, on marche. Préparez-vous, apparemment c'est hostile, il y a des gros. Qui on a tapé dessus, il y a des contacts. Allez, j'ai des grenades au pire. J'ai grenade. Grenade pour nous. C'est au niveau du véhicule là. À droite, sur la droite du véhicule. Traité. Un traité. Croiser le feu, ça va pas être good ça. Non, on est pas mal. C'est bon. Ok, Cort, avance avec le véhicule. Viens à notre niveau là. Trop de touches en jeu. On reste là les gars. Alpha, on reste ici vers les sapins. Ok, c'est bon, bien. L'ennemi est traité là. La fille. On est jamais trop sûr. Qui contacte la terre, c'est traité. Ouais, c'est traité. Qui est-ce qui mange des chips? Je sais pas. On entend bien, okay, par contre. Ok, on va voir pour la. Putain, merde. Bravo. Dans Vitia. Traîne ma Vitia là. Vous passez derrière moi. Okay, on sera fou sur la route, colonne. Ouais, passez derrière moi. Je me repack. Alpha, on va reprendre la progression en colonne à travers la forêt plein sud. À la droite de la route, vous voyez la forêt? Yes. L'objectif, okay. C'est les éoliennes. Bon, on se déplace discrètement en colonne. On vous suit. Cort, il nous suit ou pas? Ah ouais, Cort, tu suis. Hein. Tu suis, hein. T'as 100-200 mètres derrière nous. J'avais une sauterelle, j'ai dû la traiter. Sauterelle hostile, sauterelle hostile. 200 mètres. Ouais. Oh, c'était quoi ça? Sauterelle. Ah putain, il y a du sautillon pour avoir un impact. C'est pas moi. C'était nous ça? Je sais pas, quelqu'un a tiré ou. On prend des tirs. Ouais, planquez-vous. C'est de l'arrière non? Ça c'est un figuier ça. Non, c'est devant. Ok, Cort, t'as visé sur quelque chose là de terre? Négatif. Ouais, vers éolienne sur moi. Ok, infanterie au-dessus de vous. Au-dessus, ouais. Au-dessus de Alpha là, au-dessus de Titounet? Deuxième éolienne, pied de deuxième éolienne, ok. Corax à terre. Ouais, on est pas couvert là. Ouais, backé. Il y a un rocher, je vais planquez-vous derrière les arbres. Quand va falloir que tu nous appuies, on va entendre du véhicule. Tu recules. Il y a Talveg ici, on peut se planquer. Ok, ouais, je suis derrière un rocher. Tenez ma vitia là, passez côté gauche de la route là. Passez côté gauche de la route. Progressez le long de la route. Mofi. C'est normal, j'ai été tué par Vitia. Non, c'est faux. On va le récupérer, ça c'est pas. T'as non, dû couper sa ligne de feu. Vous mettez sur les lignes de feu. Progressez jusqu'au niveau de. Non, on était là d'abord. Vous faites un bond de 100 mètres en avant là. Il y a un Talveg gauche de route, on se met au niveau de Talveg. Ok, ça marche. Attends, j'ai du lag ici, c'est impressionnant. Tu peux en foutre un spawn aussi. Oui, pardon. Ah, attends, on va se planquer. Tu vois, on va se planquer qui en place. Il est mort ou il est blessé? Je crois qu'il est wounded. J'ai que dalle. Hein. Je crois qu'il y a marqué respawn, j'ai envie de dire je suis mort. Non, on pouvait 13. Ah, on pouvait 13. La prochaine fois, attendez qu'on vienne check votre sang là. Allez, on prend le relais d'Alpha pendant qu'il soigne. On avance. Ok, ça marche. Comment on soigne? Normalement, tu vas à côté du mec et tu restes. Après, on a peut-être plus de midi. Il est tout neuf là. Vas-y Alpha, allez un peu, faites un bond de 100 mètres sur votre gauche là. Revenez un peu plus à l'est pour garder la liaison avec l'autre trinôme. Ma fille, je passe devant. À on va essayer de progresser en ligne là. Vous allez vous mettre à la même hauteur au niveau de la route devant vous. Parfait. Vous mettez en ligne, mais au niveau du groupe, pas de... C'est tout le groupe qui se met en ligne au niveau de la route là, du chemin.
Enfin, moi j'ai un chemin sur la map, je sais pas c'est quoi devant vous. On est devant une route. Mettez-vous en ligne. Ouais, mais partez pas en couille, partez pas en couille. Araignée traitée, je répète, araignée traitée. Araignée, c'est quoi? J'ai une araignée encore chez moi. J'ai cru que c'était un véhicule. Attendez, donc là, stop, c'est pas bon. C'est pas en couille. Vous êtes trop... Regardez votre map, juste deux secondes, ouvrez. Pendant qu'on est pas sous le feu là, juste arrêtez. Ah, on est un peu paqué, ouais, effectivement. Y'a un problème. Je vous ai dit, en ligne, au niveau de la route. Donc déjà, il y en a deux qui sont pas avec leur chef d'équipe. Alors attends, je sais pas c'est qui là-bas. C'est ça, il y en a deux qui sont pas avec leur chef d'équipe. Donc Corrupt et Corax, vous êtes pas bon. Les deux caca. La priorité, vous devez garder la liaison avec votre chef d'équipe. Si je dis qu'on doit se mettre en ligne au niveau du groupe, c'est voilà, c'est tout le groupe qui prend une ligne, quoi, qui fait une formation ligne. 10 mètres d'espace. Vous prenez un peu plus d'espacement. Regardez votre map, le groupe à Vitia, vous êtes trop serré. Vous avez beaucoup plus d'espace. Il y en a un qui prend l'angle, il y en a un qui se met à 10 mètres plus loin, et un autre à 10 mètres après. Ok. On va prendre le même espace qu'on a pris Crypt avec. Voilà. Par contre, bon, le dernier là, c'est qui? Okay, le groupe Alpha, on décale tous de 10 mètres sur la gauche. Vitia. Blindé, prends des tirs. Ouais, recule. Tir raté depuis. Bien joué aussi, moi, ok, bravo. Il y a de la thé au niveau des deux. Ah ouais, t'es parti. Mais Corp, t'es parti trop sur notre plan, faut que tu restes derrière nous. Je crois pas de vigile derrière vous. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Je reste derrière nous. Putain, je prends des forces. Si on se fait engager, il viendra. Donc là, on est propre, là, on est bon. Mais c'est qui le mec au milieu là? Le mec au milieu. Attends. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est pas mal. Tout le monde voit son chef d'équipe de là où il est ou pas? Oui, chef. Faut que je vole ensemble. Donc moi je suis peut-être le mec le moins au contact en fait. Vous voyez sur la map, je reste quand même assez derrière vous pour voir la vue d'ensemble sur ce qui se passe. Donc là, regardez-moi se planquer. On va avancer en ligne de cette façon jusqu'aux éoliennes. Donc vous allez pas courir, enfin vous allez pas sprinter, vous allez juste cadence normale et avancer jusqu'aux éoliennes. C'est parti. Allez, en avant. Pour essayer de toujours garder cette formation en ligne. Dès qu'on est engagé, vous mettez à couvert. Vous cherchez un emplacement, vous mettez à couvert. Et il est en marche. Bien sûr, si ça va trop vite, si les mecs... On attend. Voilà, c'est ça. S'il y a des mecs qui sont trop en avant, vous attendez vos gars. Voilà, toujours, si vous devez attendre, vous mettez arrêtez. Ok, cherchez un petit couvert. J'ai rien pour l'instant. Ok, là on est bon, là c'est propre. Putain, c'est propre. Okay, mettez-vous accroupi normal, pas accroupi haut, pas accroupi bas, comme ça on va aller à la même vitesse que... Et on appuie pas sur shift, on marche. Non mais marchez les gars. Non, on marche. C'est vous qui êtes trop bon. Ouais, mettez un peu plus de cadence, Tito. Non, Vitia, pardon. Avancez normal. Et repérez sur vous. Ok, avant... Cherchez un couvert, quand vous pouvez être engagé, cherchez un couvert et essayez de garder la liaison avec votre chef d'équipe. Mettez-vous à couvert, après on analyse la situation. Traité. Ok. Restez derrière l'éolienne, traité. Attention, rushez pas trop. Soldat tombé. Allez, on marche et on avance. Il faut rester derrière l'éolienne. On marche. Essayez de rester en train de se. Je sais pas qui c'est qui rush. On a un novateur, je m'en occupe, je le soigne. Véhicule traité. Ah non, je peux pas le soigner, j'ai pas de. Quelqu'un a un kit de soin là? Il y en a dans le véhicule. Il y en a dans le véhicule? Je peux réapparaître. Non, on l'a fait propre. Ah. Là, le mec, le triomphe qui a un blessé, vous restez avec le blessé. Le triomphe qui est encore en contact, qui a pas de blessé. Merde, je suis touché, ça vient de ma droite. On resserre. Je suis tombé. L'origine. Ok. On resserre. Mettez-vous du côté. Ça vient de l'est pour moi. Mettez-vous du côté nord de la colline. Mettez-vous du côté nord. On a des blessés là, il faut les soigner. Restez à couvert. Appuyez pas sur Y, s'il vous plaît. Ah merde. C'est qui a un petit pack de soins là, un medikit. C'est quoi déjà? Enfin, pour tous de soins. C'est un truc jaune dans votre inventaire. J'en ai encore deux. Pour la boussole, la touche. C'est K. J'en ai deux, tu veux. Ok, Titounet, y'a qui en vie dans ton groupe? Rapport groupe Alpha.
Je sais pas, moi je suis tombé. Je peux Grox, il est à terre, il est mouru. Le cœur est armé, je peux pas le soigner. Ok, bah avec Give EP, on a pas pensé à prendre du matériel de soins, c'est pas grave. Merde. C'est pas grave. Give EP les morts, respawnez ouais. Et reprenez la formation à côté de vos chefs d'équipe. Mon petit tip, c'est lui, quand on fait de la ligne, quand on fait de la ligne ou de la formation, si vous voulez regarder vos potes, regardez les pas en tournant la souris, vous faites Alt, Free Look, parce que sinon ouais, ça vous forme tout, ouais, ça fait de la merde des fois. Ouais, mais c'est ça qui est chiant, tu vois, tu fais du Alt, tu fais un slash pour pouvoir changer de d'accord. Visu, tu fais. C'est pas consensuel ce jeu, quoi. Ça vient de l'Ouest, le TP. Ouais, il vient de, ah, de l'Ouest, c'est sûr. Ouais, je l'ai tué, tiens. Ouais, moi je pense qu'à l'Ouest, dans les Héroïnes, à l'Ouest, il y a comment. Ce qu'on va faire, c'est que vous voyez le muret, on est là, on est tous. Principe, tous. On attend les derniers là, on reste le long de ce muret. Alpha, vous allez vous mettre le plus à l'ouest possible du muret. Et Bravo, vous allez rester le plus à... Enfin, on reprend une formation en colonne en fait, mais le long du muret. D'accord. C'est ça qu'on va faire. On va avancer comme ça jusqu'à l'ouest. Ok, donc là j'en ai deux. Là-bas, il manque quelqu'un. Korak, c'est Crypt, ils sont bons, ils manquent leur chef d'équipe. Titounet, il a planté. Hein. Ah, merde. Tu te grattes le cul, là, lui, vite, tu fais quoi. Là, on est combien, là? Là, on est... Bah, tu sais quoi, Goat, tu vas aller avec Crypt et Korak, et Korak, tu prends le lead sur l'équipe. Raffi. Ah, faut s'adapter. Vas-y, Goat, rejoins Crypt et Korak, qui sont tout à l'ouest du muret. Bon, ça va, on a de la chance, l'IA est pas très réactive. Ils sont pas venus nous chercher. On papote un peu trop de. Non, ils ont pété le véhicule. Ils seraient venus nous chercher, on les aurait fumés. Et c'est un éco-véhicule qu'on a là. On leur planquait là. J'ai redonné un véhicule à corde du coup. Ouais, ça marche, mais pour l'instant on joue comme ça. Merde, putain. Mon jeu a crash et Mako, je crois que c'est Mako qui a bugué. Putain, Ghost, Nikolai. Ouais. C'est Gunter qui joue Nikolai, non? Non, c'est Brock. C'est Brock. Ah, c'est Brock, putain, mais j'y goûte depuis tout à l'heure. Vas-y, Brock, tu rejoins Crypt et Korax. Korax prend le lead sur l'équipe. Vous faites baquer. Oh, je suis mort. On a du feu au sud. On a du contact. Changement de position. On balance des fumées partout. Ils sont à votre sud, ils sont à votre nord-ouest. On avance sur le feu, les gars. Ils sont à votre nord-ouest. Putain, merde. Allez, on avance. On marche sur. Ok, j'ai pris des balles, je me soigne a priori. 3 contacts traités. Ok. 2-18. Faudra qu'on. Ok, le Trinovavitia, essaye de rester côté muret là. Sur le muret, mais le plus à l'ouest possible du muret. Parle avec un peu de recul. Le Trinovacorax, vous avancez jusque. Non, je vais attendre la fin. Jusqu'au. C'est un bâtiment. Plus mieux. Non, j'arrive pas à savoir ça. Korax a été tué. Je reviens. Sur le verdier. Je peux pas mettre de marqueur en tant que chef de groupe, c'est sur visible par tout le monde, comme à la squad. Quand tu mets un marqueur, c'est visible par tout le monde de toute façon, je crois. J'étais tué par Vitia. Triste. Quoi? Ouais, encore. Ouais. Et Vitia, il tire sur tous les alliés. Non. On peut le soigner ou pas? Quelqu'un, mais. Je comprends pas encore comment ça marche la réanimation. J'arrive pas non plus à réanimer. Contact en fait, si, moi je t'explique, en fait il faut avoir une trousse de secours, c'est pas l'équipe de soins jaune, c'est la trousse de secours en elle-même. Oh, derrière nous, vache! Ils sont juste derrière nous là, les gars, qu'est-ce que vous foutez? Bah, voilà, quoi, on sait pas nous. Vous êtes tous en train de raise, vous êtes tous en train de. Ils sont derrière nous là! Et. Je sais pas ce que vous faites. On est à zimite, hein. Mettez-vous contre le muret, les gars. Tous contre le muret, on verra, on se réorganise après. Mais ils sont au niveau des éoliennes, ils là. Ils sont plein sud, ouais, plein sud sur les éoliennes. Ah, les gars, ils sont sur les éoliennes. Ok, il y a le véhicule qui appuie, il est en train de les défendre. Sud-est. Recharge. T'es enfoiré. Attention, ça tire. Lucas, couvre-toi. Finalement, ils sont venus nous chercher, quoi. Ah, ils sont venus nous chercher, j'en ai un là, il était juste à 2 mètres. Ah, j'ai pris une balle. Allez, mon trinom, on essaye de décaler là sur la droite. Si.
Ok. Ouais, la baraque là, je crois que j'ai. Bravo, vous me suivez. Et c'est... Faut qu'il y ait un trinôme qui aille sur la baraque là. Le trinôme le plus proche de la baraque, allez au niveau de la baraque. Faut la prendre cette baraque. Reçu. L'autre trinôme il reste derrière moi, il reste derrière moi. Le second trinôme reste derrière moi. Non, mais du coup, c'est quoi, quel numéro s'il vous plaît? Ok, Alpha, bravo. Corax, t'es Alpha. Donc Alpha, tu veux la baraque, c'est pris par bravo. Bravo, vous restez derrière moi. Ah bah merde, moi j'ai avancé comme un con et j'ai du contact dans le bâtiment. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Quelqu'un fait des dourooms, il a dit le mec. Vite, tiens, reviens vite sur moi. Quelqu'un fait des dourooms. Qu'un gars, Nicolas, tu vas avec Corax et Curupt, tu fais partie d'Alpha. Je prends l'ouverture. Ok, voilà. Tout ça. Regardez au sud. Il y a une arme qui flotte en plein milieu. Vitia et ton trinôme, vous regardez au sud. Prenez la menace sud. Rentre dans la baraque. Sud, ok, vu. Deux down. J'ai pas un bon visuel pour l'instant. C'est bravo. Bravo, tu prends la menace sud. Alpha, Corax, tu lis, tu fais tous les bâtiments ouest. Luffy. Ça va fonctionner comme ça. On va avancer un petit peu. Voilà, là j'ai pris une trousse médicale. Okay. Contact. Enfin non, je peux pas la prendre, j'ai pas la place, mais sur un cadavre, il y a une trousse médicale. Traité. Contact pile à votre sud. Traité. Luffy dans les classes, tu peux pas faire ça. De quoi je prends Corax à ton sud. J'avais anticipé, Vidia. Si. Mettre des trousses médicales, ouais, ça serait plus cool. J'ai voilà, anticipé la menace. Genre sur un gars de chaque. Sous le feu. Je peux donner sous le feu sud. Derrière le muret. Contact. C'est pas autre chose. Je riposte. Vas-y, tire. Invasion. Je grenade. Pouce, hein. Merde. Putain. Je suis touché. Devant nous. Ouais, sur cet endroit là, ouais. À combien de mètres? À combien de mètres? 100 mètres. 50 mètres, 75 mètres, allez. Allez, voilà. Bravo, on avance sur le muret. Ah, c'est pas mal, on reprend une progression en ligne. Ok. Alpha, arrêtez-vous au niveau de la forêt, prenez une formation en ligne. Pierre touche à ça après l'assaut. Bravo, vous revenez au niveau de la forêt devant nous là, on va aller jusqu'à la route en formation. Dégage, on ratisse tout là. Je reprends la formation. Chargeur. Waouh. Il est vénère le gars. On est obligé de se taper. Ça, j'ai rien. On est obligé de se taper cette voix étrange. On a un mec dans la forêt là. Ah bon? Ouais, je sais, je suis en train de regarder, mais je le vois pas. C'est peut-être un vieux je contact. Je tourne à gauche de Curupt. Infirmier, parfait. J'ai mis infirmier. Hein. Nickel. Du coup, je respawn infirmier, pas grenadier. Ouais, ah, je le vois. Cadavre là. Je le vois, il est là. Il est couché. C'est bon, j'arrive. C'est bon, c'est traité. Bien joué. Ok, putain, il était caché cet enfant. Est-ce que les éoliennes sont clear? Putain, y'a un lapin. Normalement c'est clair les éoliennes, c'est clair. Va le plus à l'ouest possible des éoliennes avec bordel. Remets-en pas d'autres, Weekly. Hein. Ah ouais. Mais c'est pas clair, ouais. Hein. Ça j'ai rien. Hein. De quoi? C'est pas clair, hein. Je vois pourquoi. Là. N'hésitez pas à prendre les... Non mais l'ouest... Blessé! Va pas à l'est. Pas de give up. Non mais je suis blessé, je suis pas à terre, mais je suis blessé. Les adversaires, les gars. Il y a un mec à terre, give up et pas. Mais ils ont les mêmes qu'ils... Sur les cadavres des adversaires. Ok, attendez, maintenez la position, chacun sur un arbre les gars, chacun sur un arbre. On reste dans cette forêt là, on fait un dispositif 360 là. Donc Alpha vous prenez au sud, bravo vous prenez le nord là, vous prenez de la menace là d'où on vient. C'est peut-être j'arrive pas clair les gars. J'arrive au nord-est. Ok. On shoot. Est-ce qu'on a un médic dans le groupe? Je ou suis quelqu'un qui a une trousse? Je soigne. Parce qu'on a besoin de soins là, moi j'ai besoin de soins perso. Qui là-bas qui est touché, tu arrives. Je peux pas lui piquer son flingue parce que j'ai putain, il a plus de munitions, quelqu'un l'a déjà fait les poches quoi. Deux secondes, j'ai éteigné ma clope, j'arrive que. On est pas bon là. J'avais dit quoi? J'ai dit bravo, vous prenez le sud, Alpha, vous prenez le nord. Mais le nord de la position. Non, t'as dit l'inverse. Non ah. De quoi? T'avais dit l'inverse. Hein. J'ai dit l'inverse. Bah, c'est l'inverse. Je vois blessé Curup, j'ai pas de soigné. Grenade? Contact ouest. Ouest? Reçu. Putain, c'est chiant. Allez, bravo, on vas-y, Curupt. Il est où? Vas-y, dis-moi. Attends. Ce qu'il y a, c'est que personne reste avec son trinôme en fait. Ce serait plus évident pour moi si tout le monde restait avec ses mecs. Il y a Titudin à côté de moi. En fait, Vitia, quand il dit. Ouais, mais j'ai pas envie de mélanger. Là, je mélange les trucs. D'abord.
Cort, est-ce que t'es sûr que c'est à l'ouest et pas à l'est? Parce que ça c'est pas pour toi à l'est en effet. Ah, merde. Vu comme ça, oui. Putain. Avec la boussole, c'est pas mieux, c'est quoi avec la boussole? C'est pas de boussole dans le véhicule. Y'a rien du tout sur le véhicule? Il est traité ou pas le contact? Ok, bon, attendez, reformation, on reforme les trinômes là. J'avais dit. Donc on a un quadrinôme, c'est pas grave, on a un quadrinôme parce qu'il y a Nikolai. Donc Korax, Korax, Kurupt, Titouné et Nikolai, vous êtes un quadrinôme, c'est pas grave. Ce qu'on va faire. Vous rassemblez et vous prenez tout le sud de la forêt. Pour simplifier tes formations. Ouais. Bon, par contre, moi je vais vous laisser. Alpha dans le rond map. On va faire ça à chaque fois qu'on a un. Ah gros oui, gros. Ouais, j'ai pas encore l'habitude. Bonne soirée à tous les gars. Ouais, ciao. Ouais, bonne soirée. C'est Vitia qui parle. Vitia, ouais. Ok, bah c'est bon, on va faire deux trinômes. Putain, merde. Alpha dans le rond sur map. Nikolai, du coup, on scinde le groupe. Nikolai, tu vas dans l'autre trinôme. Tu vas avec Lucas et Franz. Ouais, ça marche. Et vous allez dans le rond à l'est. Le rond nord-est. Juste pour reformer un peu les groupes. Là. Alors, le rond nord-est. Globalement, est-ce qu'il reste beaucoup de contacts là? C'est une question. Ouais, c'est une question franche. Entraînement. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, on a fini? Ouais. Dernier coup. Ok. Ah, pour finir, on va tous se mettre en ligne. Au niveau de là. Coup de feu là? Oui, c'est bon, c'est normal. Je peux pas faire venir des troupes aéroportées dans l'hélicoptère et tout. Ah ouais. Allez, vas-y, on met les deux trinômes au niveau de la ligne que j'ai tracée sur la map. Donc, les formations en ligne, au niveau de la route. Un trinôme sur la gauche, un trinôme sur la droite sur la map. Ok, bravo, on se déplace. Bon, on va faire ça, on va fonctionner avec la map de temps en temps. Ça pourra fonctionner de manière un peu plus efficace. Ah merde, par contre, il y a une barrière. Ah, c'est bon, appuyez sur V pour enchaîner la map. V barrière, V pour jouer. Voilà, ok, on s'arrête là. Et l'entraînement est terminé. Putain, c'est. Bon, allez, ouvrez vos maps, les gars. Je vais dessiner un petit peu. Donc, ce qui s'est passé. Alors, il y a eu l'imprévu au début. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dévié au niveau du rond. On a dévié au niveau du rond au nord des éoliennes là-haut. On a dévié là. On est sorti du véhicule. On a progressé sur la lisière gauche de la route. Par rapport à la map. Hein. Là, je parle par rapport à la map. T'es en train de dessiner là? Je viens de dessiner un trait, oui, mais attends, c'est pas évident, je vais refaire un peu. Moi je vois rien. On a rien vu nous. Ah oui d'accord, il vient d'apparaître. Là il y a un rond qui apparaît, si tu tenais, il vient de le faire. Ouais. Est-ce que là tu vois le trait que je viens de dessiner? Oui, ouais. Mais c'est il est clair. Dit, ouais bon. Il y a pas moyen d'épaissir le bordel. Ouais, nickel. Ok, on a progressé en lisière gauche de la forêt, et on s'est fait engager par un véhicule. On s'est fait engager par le véhicule, t'as notre véhicule qui a traité la tourelle. Enfin, quand t'as traité la tourelle du véhicule, à ce niveau-là exactement. Bon, du coup, j'explique et tu dessines, tu te dis ok. On a envoyé un trinôme prendre du renseignement sur l'objectif et un autre trinôme flanquer le véhicule. Parce que on avait du rance comme quoi les mecs avaient DD. Donc là, on a pris tout simplement l'objectif en sandwich. Et on a traité l'infanterie de matière plutôt propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de reprendre une progression pour se mettre en ligne au niveau de la route. Pareil, c'était plutôt bien. Et à ce niveau-là, on a monté l'assaut en formation en ligne toujours vers les éoliennes. Parfait, là jusque-là c'était parfait. Sauf que, arrivé au niveau des putains de murs, des éoliennes, on s'est fait arracher. On s'est fait arracher, on a perdu la liaison avec nos mecs. Enfin, tout le monde a perdu la liaison avec son chef d'équipe. On a eu des morts, on savait pas trop quoi faire. Bon, ça après c'est du drill, c'est bon. Au fur et à mesure de faire des entraînements, bah, l'adaptation, ça viendra plus rapidement. Mais bon, pour l'instant, ce que je voulais faire, moi, pour un training, c'est surtout essayer de faire des déplacements propres. C'est pas forcément qu'on soit super bon au combat.
Jusque là les formations c'était plutôt cool, c'était plutôt bien. Par contre à partir de là c'était un peu la débandade. On a une fois que tout le monde avait respawn, le trinôme de Korax balayait les bâtiments sur l'ouest. D'ailleurs vous avez, j'ai pas entendu trop de retours, vous avez, il y avait des ennemis ou pas dans les bâtiments? Non. Non? Bah si, il y avait deux cadavres en fait, mais Ouais, ils avaient dû être traités avant. Ok, bah évidemment on avait notre véhicule. Grosse force de frappe, donc le transmimètre ça rigole pas quoi. C'était assez, c'est assez facile de traiter l'info. C'est dommage qu'on ait eu autant de pertes, je trouve. Mais bon. Donc voilà, on a continué la progression jusque dans cette forêt pour éliminer les derniers survivants quoi. Et on s'est rassemblé au niveau de la route. Voilà. Donc l'objectif de ce training c'était formation et déplacement. Jusque là c'était plutôt pas mal, bon, pour des gens qui n'ont jamais fait trop, enfin pas pratique. Manque un dé. Pour un groupe qui est pas 1000 cibles, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. De... Red Dog for quoi? Il manquait un dé. Life. For life. Voilà, au niveau du combat, bon ça on verra ça plus tard. On a vu dans le training, on a vu aussi la notion d'appui et de flank. Sur le training là, dans les collines qu'on avait fait là. Au tout début, avant de partir au combat là. On avait eu l'appui et le flanc, c'était pas mal. Je sais pas si l'équipe d'appui pouvait bien se rendre compte de ce que l'équipe de flanc faisait. Enfin on était d'assez loin du coup ça. Enfin moi j'avais une belle vue d'ensemble sur ce qu'on est, c'était pas dégueu. Voilà.